L'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie voyage énormément. Il y a quelques jours, il était au concours Reine Elisabeth et il preste régulièrement aux quatre coins du monde. Mais au milieu de ses tournées, le directeur de l'orchestre et une musicienne ont fait une halte dans trois écoles à Braine-le-Château, celle du centre, de Wautier-Braine et de Nousselles, pour transmettre leur amour de la musique. On vient de sortir de 6 jours des demi-finales du concours Reine Elisabeth. C'est vrai qu'on fait le tour du monde, on a joué en Algérie, à Abu Dhabi, on a été les premiers Européens à aller jouer dans la cité interdite à Pékin. Et ça n'empêche qu'on vient dans les communes, dans les villages, dans les écoles, pour pouvoir vraiment permettre à des enfants d'avoir le plaisir de goûter à leur patrimoine, à leur culture musicale. Cela fait 15 ans que l'orchestre se déplace dans les écoles, mais pour la première fois, il collaborait avec l'Académie de Nivelles qui a une antenne castelbrennoise. Les élèves de Braine-le-Château qui fréquentent l'institution ont joué de leur instrument devant leurs camarades pour appuyer les explications de Laurent Fac, l'Académie de Nivelles, l'un des partenaires de l'opération, au même titre que l'administration communale, le syndicat d'initiative, Braine Culture, mais aussi la province du Brabant Wallon. On sait qu'il y a un besoin de renouveler évidemment le public de la musique classique, hein, qu'on réserve souvent à tort aux personnes très initiées. Mais en Brabant Wallon, des projets comme celui-ci et d'autres qui fleurissent ça et là en Brabant Wallon ont vraiment la volonté de renouveler ce public et d'initier particulièrement les plus jeunes à la musique classique et aux instruments de base. Et le vendredi 24 juin à 18h, l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie reviendra à Braine-le-Château pour prolonger ses rencontres. Ce sera à travers un concert destiné aux enfants, un voyage initiatique dans la musique classique avec l'apport d'un clown. L'événement prendra place dans le très beau théâtre de verdure situé dans la cure rénovée de Wautier-Braine. C'est effectivement un endroit qui a été restauré il y a peu et donc qui commence effectivement à avoir de nombreuses représentations. Effectivement, il y a déjà du théâtre qui se donne. L'association Braine Culture a installé ses quartiers ici. Et donc, on essaye d'organiser de façon régulière des spectacles et ce sera effectivement un concert de grande qualité que de recevoir ici l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. À travers ce spectacle destiné avant tout aux enfants, l'idée c'est aussi que les parents découvrent ou redécouvrent la musique classique.